Bonjour et bienvenue à ce que j'appellerais l'épisode 0 sur Lightroom. Suite à un sondage que j'ai fait sur mon blog, on m'a fait remarquer à juste titre que je n'avais jamais expliqué un peu la philosophie globale du logiciel, ce qu'on pouvait faire avec, le look qu'il avait, l'idée étant un nouveau arrive, ne connaît pas Lightroom, voudrait utiliser Lightroom, bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et donc je vais essayer d'expliquer ça dans une dizaine de minutes. Lightroom, faut comprendre que c'est un logiciel de gestion de flux photographique, c'est-à-dire qu'il va gérer la totalité de votre flux. Ça va être le classement des photos, ce qu'on va retrouver dans le module bibliothèque. Ça va être le développement des photos, donc là vous allez changer les paramètres de luminosité, de contraste, de couleur. Ensuite, vous allez pouvoir classer encore vos photos, ce coup-ci avec le module carte, où on va pouvoir positionner les photos sur une carte, voir où la photo a été réellement prise. On a des choses comme le livre, là c'est pour partager vos photos avec d'autres, vous allez pouvoir réaliser des livres et même les commander à partir de Lightroom avec un service qui s'appelle Blurb. Ensuite vous avez le diaporama ça va vous permettre de faire des diaporamas de vos photos. Ensuite on a impression, tout ça va vous permettre d'imprimer vos photos. Et vous avez web qui va vous permettre de partager vos photos sur le net, soit en créant vous-même une galerie web, soit on le verra dans le module de développement, en partageant avec des sites connus comme Flickr ou Facebook ou d'autres. D'accord? Ce qui est important aussi à savoir, il y a différentes notions et de mots comme ça qui sont importants. Vous avez catalogue. Qu'est-ce que c'est le catalogue? Lightroom travaille avec un catalogue, et le catalogue, c'est une espèce de base de données qui contient toutes les informations concernant vos photos. Donc vous allez avoir les informations de classement, de tri, de développement, tout ça va se retrouver à l'intérieur du catalogue. Donc je dirais c'est la pièce maîtresse de Lightroom. Il faut bien comprendre que dans Lightroom, vous n'allez pas faire fichier ouvrir, ça n'existe pas, hein. Fichier, vous pouvez ouvrir des catalogues, mais fichier ouvrir une photo, c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Dans Lightroom, vous importez des photos, d'accord, et ces photos se retrouvent ensuite classé dans votre catalogue. Donc si vous considérez Lightroom comme j'ouvre une photo, je la développe, je la sauve, je referme, vous pouvez oublier, ça fait pas ça Lightroom, c'est pas prévu pour faire ça, c'est prévu pour faire beaucoup plus de choses. Et Lightroom, j'aurais tendance à dire que c'est un logiciel qui est vraiment efficace quand on l'utilise à un certain pourcentage, car très clairement, utiliser que la partie développement de Lightroom sans utiliser la partie bibliothèque, vous n'allez pas arrêter de faire des allers-retours et ça ne va pas être forcément très pratique. Donc le catalogue, c'est ce fichier qui a toutes les informations concernant vos photos, c'est la pièce maîtresse. Lightroom vous permettra de le sauvegarder pour être sûr de ne pas le perdre, donc vous avez différentes choses. Les dossiers, au sens Lightroom du terme, c'est exactement le même sens que vos dossiers, j'irais au niveau du système d'exploitation. Alors si vous ouvrez, vous voyez que j'ai ici un disque F, et dans ce disque F, j'ai des répertoires, et dans le répertoire Japon par exemple, j'ai des sous-répertoires. Donc vous pouvez avoir des choses qui sont classées par date, ça c'est à vous de voir, vous pouvez avoir des choses qui sont classées par nom, c'est vous qui déciderez à l'importation, soit vous pourrez laisser faire Lightroom automatiquement par date, en fait vous ne prendrez pas la tête sur la création des dossiers, Lightroom le fera tout seul, soit vous décidez de faire ce qu'on appelle des dossiers significatifs, donc avec un nom qui veut dire quelque chose. C'est pas forcément obligatoire dans Lightroom, mais c'est possible. Alors pourquoi c'est pas obligatoire? Parce que dans Lightroom, vous avez ce qu'on appelle des collections. Alors les collections dans Lightroom, il faut voir que c'est un ensemble de photos. Cet ensemble, il est à l'intérieur de votre catalogue. Donc vous allez pouvoir, moi par exemple, j'ai fait un ensemble des photos d'insectes. Vous voyez, et je n'ai à ce moment-là que les photos d'insectes qui sont là dans cet ensemble. C'est moi qui ai dit, crée-moi un ensemble et mets les photos d'insectes dedans. Cet ensemble, il est totalement virtuel. Il n'existe que dans votre catalogue, c'est-à-dire que dans votre disque dur, il n'y aura aucun changement. Les photos vont rester exactement à l'endroit où elles étaient. D'ailleurs, vous voyez qu'il n'y a pas insectes, hein, dans ces répertoires-là. Mais c'est au niveau de ma collection. J'ai dit, toutes les photos d'insectes, on va les mettre dedans. Donc ça, c'est des notions virtuelles. On peut comme ça créer une infinité d'ensembles. Et on peut créer ce qu'on appelle aussi des ensembles dynamiques. Là, par exemple, j'ai créé un ensemble qui a une condition et qui dit, je veux voir toutes les photos qui ont plus de 8000 pixels. Toutes les photos qui ont plus de 8000 pixels, je veux les voir dans cette collection. Ça veut dire que dès que je ferai une nouvelle photo qui a plus de 8000 pixels, elle ira
automatiquement se ranger dans cette collection. Pareil, là par exemple, j'ai fait carré, ben, vous n'avez que des photos qui sont en carré. Et là par exemple, j'ai mis 5 étoiles, ce n'est pas forcément des belles photos, mais c'était juste pour l'exemple. Et donc, c'est les photos que j'ai classées 5 étoiles qui apparaissent ici dans cette collection. Vous voyez d'ailleurs, on voit les petites étoiles là, c'est des choses que vous pouvez changer. Par exemple, si je dis celle-là n'est plus qu'une 4 étoiles, ben, vous voyez qu'elle disparaît de la collection parce que la collection, c'était uniquement les photos à 5 étoiles. Donc ça, c'est les collections, ça vous donne la possibilité de ranger virtuellement vos photos autrement que par dossier. Et ensuite, vous avez un truc qui s'appelle le service de publication. Le service de publication, c'est pour partager ou sauver vos photos. On verra qu'on peut faire plusieurs choses avec. Et vous pouvez automatiquement, par exemple, mettre vos photos sur Flickr, Facebook, Behance, s'il y en a d'autres. Et disque dur, ben, ça va par exemple faire une copie de toutes vos photos sur le disque dur pour une sauvegarde. C'est tout à fait envisageable, on peut s'en servir pour ça. Donc voilà le module bibliothèque de ce côté-là. De l'autre côté, on voit qu'on a des choses dans le module bibliothèque, ce qu'on appelle le développement rapide. Donc le développement rapide, par exemple, je vais prendre cette photo-là et je pourrais dire, ben voilà, je veux augmenter son exposition rapidement. Mais on verra qu'il y a le module développement pour ça. D'accord? Vous aurez quelque chose sur les mots-clés. Là, par exemple, vous voyez, comme mots-clés, j'ai antenna, body, eye, flower, garden, green, insect. Il y a un certain nombre de mots-clés à l'intérieur de cette photo, ce qui me permet ensuite de trier à partir de ces mots-clés. Vous avez ensuite la liste de mots-clés. Vous verrez que vous pouvez mettre des listes et ensuite mettre comme ça les informations dans la photo. Vous avez un truc qui est très important, ce qu'on appelle les métadonnées. Donc toutes les métadonnées, c'est des informations qui concernent votre photo. Ça peut être un titre, vous avez des informations techniques comme sa taille recadrée, la vitesse. Et vous verrez après qu'on peut filtrer par rapport à ces informations pour retrouver facilement une photo. D'accord? Là, si je prends à nouveau mes collections, ici, quand j'ai mis à plus de 8000, ben, en fait, j'ai vérifié ici le paramètre là. Et j'ai dit, quand ce paramètre est à plus de 8000, je veux voir apparaître les photos. Donc vous voyez, ça, c'est ce qu'on a sur le côté du module bibliothèque. C'est les métadonnées. Et ensuite, on peut mettre des commentaires. Ça, je ne l'ai jamais utilisé. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on a au niveau de la bibliothèque. Ça permet de classer, trier, mettre des mots-clés, ranger. Vous voyez, c'est comme si on rangeait une armoire en mettant chaque chose à sa place. Ensuite, on a le module, ce qu'on appelle de développement. Donc le module de développement, c'est là où vous allez pouvoir régler vraiment les paramètres de votre photo. Donc vous allez avoir ici, par exemple, ce qu'on appelle des réglages de base, qui vont être l'exposition, le contraste. Ça, il y a tous les cours qu'il faut là-dessus, vous pourrez les suivre. Courbe de tonalité, on va rentrer un peu plus en jouant sur les niveaux des courbes ici. C'est pareil, vous avez une vidéo là-dessus. Ensuite, vous avez ici ce qu'on appelle teinte, saturation, luminance. Vous pouvez changer. Par exemple, je peux dire le jaune, je veux que ça soit beaucoup plus clair, je veux que ça soit moins clair. Vous voyez, là aussi, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur une photo. Ensuite, vous avez le virage partiel pour donner, par exemple, des tons sépia à la photo. D'accord? Ça, pour vieillir une photo, ça peut être pas mal. Détail, ça va s'occuper du bruit, ça va s'occuper de la netteté. Correction de l'objectif, ça va gérer tout ce qui est géométrie, déformation, la distorsion, par exemple, de l'image. Et c'est des choses qu'on peut régler avec ça. Effet, c'est le vignettage, par exemple. Donc, pour rajouter un vignettage. Le grain, si vous voulez une photo qui ait l'air d'être un peu vieillie, vous pouvez mettre du grain comme ça. Et ensuite, vous avez étalonnage de l'appareil photo. Alors là, c'est un peu plus complexe. C'est pour appliquer systématiquement des corrections en fonction de votre appareil photo, mais ça, c'est quelque chose que j'utilise très peu. Donc là, vous voyez, c'est le développement. Ensuite, on a le module carte. Le module carte va vous permettre de placer des photos sur la carte. Ou par exemple, lorsque vous allez avoir une carte comme ça, je vais dire, tiens, j'ai deux photos ici. Donc, vous voyez, j'agrandis. C'est des photos qui ont été prises à cet endroit-là. Voilà, exactement. Vous voyez, j'ai positionné exactement ces deux images. Et vous pouvez zoomer, on est comme dans un Google Maps. Hein. Elles ont été prises devant cette maison. Et si vous cliquez, vous voyez qu'il vous sélectionne les deux photos en question. D'accord? Donc, on les voit ici, même on peut se promener à l'intérieur et voir les photos dont on est en train de parler. Donc ça, le module carte, ça vous permettra de placer vos photos sur la carte, de les retrouver. Certains appareils photo ont un GPS intégré. Donc en fait, lorsque vous mettrez directement les photos
dans Lightroom, Lightroom automatiquement vous mettra ici des petits points. Mais vous pouvez le faire aussi en manuel. Hein. Si je veux dire que cette photo a été prise ici au milieu de l'Ukraine, voilà, je dis cette photo, elle a été prise au milieu de l'Ukraine et vous voyez qu'il a mis une position GPS. Ensuite, je vais par exemple choisir la série Insectes, je vais aller dans Livre. Donc livre, c'est ce qui vous va vous permettre de faire un livre. Donc vous voyez, quatrième de couverture, première de couverture. Il faut choisir la taille. Par exemple, je vais dire modifier la taille pour faire grand paysage. Je choisis mon papier. Et vous avez même un prix estimé. Vous pourrez commander directement. Vous voyez qu'il y a toute une série ici d'options sur les pages. Vous pouvez zoomer, pas zoomer la photo. Donc ça, on aura un module livre également qui montrera là-dessus. Ensuite, vous avez le diaporama. Ben, le diaporama, c'est simple, c'est un diaporama. Donc, vous avez les photos les unes après les autres. Vous pouvez afficher ou pas les repères. Vous pouvez mettre une plaque d'identité ou pas. Vous verrez toute une série d'options. Et vous pouvez ensuite soit l'exécuter directement à partir de Lightroom, ou vous pouvez le mettre en PDF, ou vous pouvez faire une vidéo. Donc, vous voyez qu'il y a déjà pas mal de choix. Ensuite, au niveau de l'impression, c'est simple. L'impression, j'imprime ma photo. Donc, vous allez choisir le papier. Vous allez choisir est-ce que je veux imprimer plusieurs images, une seule image. Vous allez pouvoir faire un peu ce que vous voulez comme ça. Vous choisissez votre imprimante. Là, c'est pareil. Vous avez des tailles de cellules. Vous avez plein d'options. Donc, vous allez pouvoir imprimer directement sur votre imprimante avec Lightroom, ce qui est quand même intéressant. Et le dernier point ici qui s'appelle Web. Web, ça va vous permettre de faire une galerie web directement. Et ça ensuite, vous allez pouvoir le télécharger sur un site et vous allez pouvoir donner l'adresse aux gens et ils vont pouvoir comme ça se promener dans votre galerie web. Alors il y a différents modèles, hein. Il y a des modèles qui sont gratuits ou il y a des modèles qui sont payants. Moi par exemple, j'utilise ici un modèle payant qui me permet de faire un peu mes galeries comme je veux et de me promener à l'intérieur en réglant plein de paramètres. Donc ça, c'est les galeries web, on a vu. Le truc que j'ai pas montré ici au niveau du développement, j'ai également des choses ici au niveau du développement comme les collections qu'on retrouve, c'est les mêmes, mais j'ai des choses comme l'historique. Vous voyez là par exemple, j'ai l'historique d'une photo, tout ce que j'ai fait avec. Alors on va essayer de retrouver mon papillon là qui est un peu surdéveloppé là où je viens de faire des modifications, celui-là, voilà. Et vous voyez qu'il me dit, voilà, je viens de faire du vignettage, je viens de changer le grain. Et vous pouvez revenir à n'importe quel moment. Par exemple, je peux revenir à ici. Voilà, je suis revenu et je repars de cette position. Vous avez ce qu'on appelle les instantanés. Les instantanés, c'est quelque chose qui va vous permettre de garder une sous-version de la photo à l'intérieur de la photo. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire, bon, là, par exemple, je crée un instantané de cette photo-là. Elle me plaît comme ça. Puis ensuite, je vais aller modifier des choses dessus. Voilà, je vais faire ça. Très bien. Et là, je vais recréer un autre instantané. Et vous voyez que si je prends celui-là, j'ai cet instantané-là. Et là, j'ai l'autre instantané. Donc comme ça, vous allez pouvoir sauvegarder différentes versions de la même photo à l'intérieur de la photo. Et on avait ensuite les paramètres prédéfinis, qui est quand même quelque chose d'intéressant. C'est que vous allez pouvoir créer vos propres paramètres de développement et vous allez pouvoir ensuite les sauver et les réappliquer à d'autres photos. Là, par exemple, il y a filtre bleu. Voilà. C'est des choses qui sont fournies directement dans Lightroom et vous pouvez en trouver des tonnes et des tonnes sur Internet. Voilà, c'était une revue un peu générale de l'outil. Vous verrez que là-haut, il y a toute une série aussi de menus hein, où on peut inversion verticale de la photo. Donc là, vous découvrirez tout ça par vous-même au fur et à mesure. C'est là aussi que vous importerez les photos. Et c'est là aussi, par exemple, que vous exporterez les photos. Hein. Donc vous verrez qu'on peut exporter les photos aux tailles qu'on veut, aux résolutions qu'on veut, avec un filigrane, pas un filigrane, qu'on peut les ouvrir ensuite dans Photoshop ou dans autre chose. L'exportation des photos, c'est un peu le sauve-sous de Lightroom, à part qu'on ne sauve pas la photo de la même manière si on veut l'envoyer par exemple à un labo pour impression, ou si on veut simplement en faire une imagette pour la mettre quelque part sur un forum photo. Donc vous verrez ça aussi, l'exportation c'est une partie très importante. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'utiliser le logiciel. Moi maintenant j'utilise depuis la version 1.4 je crois. On doit être à la version 6. Avant, j'utilisais déjà quelque chose qui s'appelait Adobe Photoshop Album, qui était aussi un catalogueur. Et quand on prend l'habitude d'utiliser ce genre de logiciel et qu'on l'utilise beaucoup, on a un peu de mal ensuite à s'en passer très clairement parce que ça fait gagner beaucoup de temps. J'espère que ça vous a plu. Voilà, merci. Au revoir.